Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélisère pour La Voix de l'Amérique. Et nous contents de ce que nous avons dans la soirée électorale, ça, qui ont élection qui gagne pile tension là-dedans. Et pas mal de résultats dans le moment. Et parce que nous connaissons que son élection qui est très particulière. Et surtout présidentielle là qui mettait face pour face président républicain Donald Trump avec ancien vice-président américain Joe Biden. Mais je veux dire, nous dans le restaurant Port-au-Prince qui trouvait dans Silver Spring, dans l'État Maryland. Et nous gagnons une délégation qui sortit dans le pays d'Haïti qui vient suivre l'élection ici aux États-Unis, précisément dans Washington. C'est l'Association des volontaires pour la démocratie. Mais l'instance qui est invitée, c'est Front Uni de la diaspora. Et nous, rapidement, parler avec Jean-Junior Morissette qui pourra dire nous, qui pourra expliquer nous le processus pour faire gros délégation ça, imposante délégation ça. Et nous connaissons que nous avons un bien ce qui est en particulier là. Donc, excusez-nous pour lumière, excusez-nous pour toute l'autre bagaille. Nous souhaitons que son en bon. Donc, nous avons un petit peu de délégation. Nous allons parler avec Jean-Junior Morissette qui va expliquer nous le processus qui fait que nous avons fait entrer une grosse délégation comme ça dans Washington. Bonsoir tout le monde, bonsoir Haïti, bonsoir La Voix d'Amérique et bonsoir et tout le monde volontaire et invité. AVD qui est là ensemble avec nous. En fait, non, M. Jean-Junior Morissette, c'est membre exécutif Front Uni de la diaspora haïtienne. Donc, c'est dans la logique ou bien dans la perspective pour nous penser plus et travailler sur la question en renforcement de la démocratie en Haïti. Et parce que nous pensons que aujourd'hui, la diaspora a un pion important pour lui jouer dans la situation. Hein. Et AVD lui-même, c'est un membre dans Front Uni que nous gagnons en Haïti qui a fait des travaux de terrain, des travaux que nous gagnons et diaspora avec Front Uni au profit de l'avancement de l'organisation. Donc, dans le cadre de ça, et Front Uni avec AVD, tu travailles pour voir comment tu es capable de gagner, de faciliter à ce que tu es capable de venir pour observer l'élection qu'a faite la journée aujourd'hui, que le monde entier connaît que c'est un gros poids, c'est un bagage qui a secoué le monde. Donc, pour eux-mêmes, pour être capable de garder vivre, eux-mêmes, comment l'élection a déroulé là aux États-Unis, pour être capable de prendre note, parce qu'ils ont une responsabilité dans l'expérience, dans le travail avec les jeunes, que nous déjà connaissons, qui sont organisations qui travaillent sur la question jeunesse parlementaire, nous travaillons sur plusieurs autres structures pour faciliter que la jeunesse Haïti est capable de gagner un demain plus meilleur. Parce que si eux-mêmes, en tant que des gens qui font partie intelligente de pays, ils ne pas chita organiser pour être capable de proposer alternative et garder ça qui n'est pas bon pour être capable de corriger pour l'avenir. Donc, nous m'avons dit que Haïti est déjà tombé. Donc, c'est dans le contexte ça que nous gagnons plusieurs organisations qui sont membres du Front Uni et en particulier Jean-Noué AVD qui est là ensemble avec nous là, qui vient observer l'élection pour prendre note et pour commencer le travail sur le terrain en Haïti avec un partenariat avec United Front, que nous connaissons, qui sont organisations de la diaspora haïtienne. Bon, ça nous va faire un tour de table en façon pour chaque monde qui a dit nous. Et qui s'est déjà, qui s'est marqué, et après le tour, par contre, est-ce que nous commençons avec dit nous qui nous, et puis dit nous qui sont qui particulier, qui attire l'attention. Bonsoir tout le monde, c'est Caprini Hugo Gabriel. Ça qui attire l'attention, c'est la façon que nous faisons campagne. Moi, je que vous mettez flyers à terre, vous ne mettez pas affiche dans le mur, et ça vraiment attire l'attention. Et ça qui attire l'attention, c'est que les gens qui a fait, les gens qui sont responsables de vote et que les gens qui sont devant le bureau de vote, ils ont tous ces volontariats qui ont fait. Donc, ce n'est pas l'argent qui a touché, ils ont juste fait un bagage pour le plaisir, ils ont supporté les candidats. Moi, je pense que c'est une belle initiative et que c'est une initiative que tout le monde a supposé copier, tout Haïtien a supposé copier, tout le monde qui a envie de candidat a supposé copier pour les jeunes qui ont supporté l'élection, supporter eux et une façon pour chaque monde montrer tout si vous avez un candidat et que vous supposé supporter le candidat. D'accord, merci. Toujours sous La Voix de l'Amérique, nous avons une soirée électorale côté que Konya n'a pas recevoir. Il y a une délégation qui sortit dans le pays d'Haïti, qui c'est l'Association des volontaires pour la démocratie et qui vient suivre l'élection aux États-Unis.
et n'a continué faire tout de talap. Femme dit que j'ai Jean-Aubert Philippe avec moi là tout et Jean-Aubert Philippe avec Masli Jean-Aubert Philippe avec Masli qui avec nous et donc nous m'a pas compte moi. Donc nous allons continuer faire tour de table. Merci Jacqueline et nous saluons tout le monde qui suit nous sur la voie d'Amérique. Nous sommes chez Berlin d'Or, nous sommes membres de l'Association des volontaires pour la démocratie. Et nous sommes présents pour nous capables de faire expérience, l'expérience des élections américaines, nous-mêmes étant comme jeunes, pour nous capables de voir vraiment qui ça qui nous est capable à l'appliquer dans l'élection qu'a faite dans le pays d'Haïti. C'est-à-dire nous-mêmes, comme jeunes, nous ne voyons pas nous pour nous capables de faire attendre. C'est-à-dire fais un message dans le passé. Et pendant que nous venons là pour nous faire expérience ça, nous avons pile bagaille vraiment qui marquait dans le processus électoral développé dans le pays des États-Unis. C'est-à-dire civilité, degré de civilité qui développé Kaimoun. C'est-à-dire ouais, nous avons dans un contexte bien particulier avec la question COVID-19. La distanciation sociale est respectée dans la question de Mounio pour voter. C'est-à-dire vraiment, ils respectent la distance. Là. Et moun yo nan lin nan pa gen diskisyon, pa gen moun kap di kandida pa moun pral vote pou tel moun. Seulement ou est tout volontaire ki genye yo, moun yo ap di bien avant ke moun yo entre nan stand de vote lan, yo ap bay ti flyers, yo ap di men ki es pou vote. Men moun yo menm entre yo pa gen aucune animosité ki développé entre yo. Ou est une compétition qui paraît extrêmement saine. A di lakay pa nou nan mande pou ki sal pa ka comme ça. Et puis jan ou est processus nan ap déroulé en tout. Comme si ou pas remarqué qu'il y a une tension dans la rue. On dit machine a passé au centre de vote yo. On nous même la caille pas nous l'autre des élections, yo isolé centre de vote yo. Et en certain moment, yo pas même d'accord machine circuler le jour des élections. Elle dit grand pile monde qui pourra le voter, yo obligé aller très 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 loin, c'est sous moto yo aller. Et en pile monde pas le voter tout, c'est parce que pas gain moyen de transport pour yo parce que dans moment élection, yo refusé pour machine capable circuler. De nous connaît Jean Lacaille pas nous gens ça développer nous souhaiter que moun kap suivre l'élection tant que nous même qui fait expérience là pour capable vraiment que plus faire éducation civique moun yo pour comprendre élection sur yon course électorale qui est lié pas aucune animosité qui développer entre nous vraiment que nous même nous vraiment apprendre d'expérience là et nous souhaiter que expérience ça libre le servir peuple haïtien. Moi c'est Fertile Jean-Ronel. C'est un plaisir jeudi à la pour moi dans Washington DC. Et moi saluer tout haïtien qui branché la voix de l'Amérique. Moi saluer la voix de l'Amérique en particulier et Front Uni AVD. Élection américaine pour nous, on pas pour le comparer avec élection qu'a fait en Haïti parce que c'est deux mondes différents. C'est deux niveaux de civilité différents. Donc, c'est vraiment difficile pour nous comparer de telles élections. Il y a une chose qui a attiré l'attention dans l'élection américaine, c'est que malgré le jour électoral, même le jour de vote, là, ou pas senti qu'il y a un échauffement dans l'arrière, les gens ont couru monter des zones. Tout le monde a réglé à l'occupation et puis les gens ont levé tête froide pour aller voter. C'est le premier ça qui a attiré l'attention. Le deuxième bagage qui a attiré l'attention, non? Après l'élection, ou pas même senti que tu as gagné l'élection à travers bout de papier dans toute la rue, bout de papier, etc. Son États-Unis qui a prêté propre. Nous, en Floride, nous venons là, Washington, encore nous, c'est son bagage propre, un bagage sérieux qui a fait. Nous-mêmes, nous félicitons ça. Et c'est peut-être une raison qui fait que nous, là, je dis là. C'est pour nous garder avec de nawe nous comment ça fait bon ici dans Washington aux États-Unis et Jean monsieur au saut dit là comment pour nous-mêmes dans simulation à faire avec jeunes en Haïti pour nous apprendre yo qui ça qui élection qui ça qui vote là comment en fait pour yo avancer comment pour yo et vraiment porter touche pas yo dans élection qu'a fait dans pays nous. Donc, nous avons un pile de monde qui a dû parler, moi je ne suis pas trop long. Et j'aime dire là, c'est Fertile Jean-Ronel pour AVD.
Donc nous toujours dans soirée électorale là et nous suivi un entretien que nous gagnons avec une délégation qui sorti dans le pays d'Haïti qui c'est Association des volontaires pour la démocratie et nous continuons à faire tour de table là pour chaque monde et partager expérience yo ça ouais déjà et jodi a ça ouais et pour yo capable dire nous ça qui expérience que yo fait jodi a. Nous continuons tour de table là. Bonsoir à tout le monde qui branché sur la Voix de l'Amérique. Et nous prenons plaisir à saluer pour la façon de permettre que l'Association volontaire pour la démocratie, que Fonds Uni, arrive à recevoir dans la Cour Washington DC pour observer l'élection si au Cap fait dans les États-Unis d'Amérique. Moi-même, c'est James Sangé, secrétaire général et conseil d'administration de l'Association volontaire pour la démocratie. Je pense que y a pratiquement deux bagailles qui attirent l'attention nous. Parce que dans l'association, nous avons estimé, même Jean et Alexis de Tocqueville, te prend le soin de sortir dans le continent pour venir observer la démocratie en Amérique. Et nous avons estimé que c'était important. Et même Jean, nous toujours prend pile exemple dans la discussion que nous avons fait dans le pays, dans la décision que nous avons prise, nous avons gardé qui gens ça fait dans notre pays, dans une démarche comparative. Je ne vais pas parler de la France, je ne vais pas parler des États-Unis qui sont près de nous. Et nous pensons que c'était important, même si nous avons gagné l'élection là nous, pour nous venir garder et dans l'ensemble pays qui sont près de nous, particulièrement les États-Unis, et qui j'en sais comment ça fait. Même et beaucoup de pas gagné pratiquement deux bagages qui. En fait, plusieurs bagages qui ont attention, mais gagné deux qui particulièrement intéressés, c'est le niveau de participation qui gagne et beaucoup de et mon dans la société. En réalité, depuis que c'est américain, quel que soit côtoyé dans le monde, ou gagner droit pour pratiquement participer dans le choix qu'a fait yo et me pense que c'est une bagaille qui vraiment attire attention et c'est peut-être dans discussion nous gagner avec et font une les mêmes qui sont organisation qu'a bataille pour implication diaspora dans décision pays nous pense et gagner nécessité effectivement et pour décider yo penser avec haïtien en général dans processus choix et pour décideurs qui viennent décider pour venir payer. Deuxième chose qui attire l'attention, nous, c'est comme nous-mêmes avons évolué comme association volontaire pour la démocratie, nous avons évolué dans le domaine volontariat et leadership, c'est qui gens, société en lui-même, les miser sur volontaires pour être capable de mener le processus électoral et à bon port. Par exemple, nous avons divers bureaux de vote que nous arrivons et observer. Il y a quasiment une existence de présence policière. Pas vraiment la police qui est là pour surveiller le processus de vote. Là. C'est pratiquement volontaire yo, qui là pour mettre l'ordre, yo là pour yo, aider les gens tout dans l'entrée, aider les gens qui ne sont pas capables, particulièrement les gens qui sont dans une situation handicap. Yo. On parle de personnes handicapées. Yo. Nous pensons que c'est de beaux exemples que nous sommes capables et tiré de processus électoral ça et dernier bagaille et parce que c'est là n'a fait appel avec bonne conscience en réalité tout haïtien parce que malgré Jean-Jean Ronel se dit tout à l'heure malgré que son rivalité électorale qui existait côté plusieurs candidats en liste parce que son élection générale qui t'a fait plusieurs candidats en liste mais on rend tête compte que en dehors de rivalité politique rivalité électorale que mon yo gagnant yo dit que vive la république que vive l'union et des États américains. Je pense que c'est une nécessité pour nous-mêmes nous penser et à effectivement sauvegarder à qui que nous gagnons dans la démocratie haïtienne pour nous capables d'aller de l'avant. Voilà. Alors, madame, qui est-ce que vous avez retourné en Haïti sur l'autre qui sont en Haïti? Partenaires, amis, expérience qu'on apprend dans la société des États-Unis qui sont en Haïti dans l'autre. Bonsoir tout le monde, non pas c'est Marie-Alexandra Michel. Ça m'a retenu de journée électorale ça après que tout collègue moi déjà dit que mon a circulé normalement dans la rue, pas de tension. Mais il y a deux bagailles particulièrement qui attirent l'attention, c'est le niveau de respect et de tolérance qui gagne entre moun yo. Donc on a regardé dans l'île, capable gagner yon moun qui a parlé de un candidat qui voulait convaincre yon moun pour voter un candidat pour parti démocrate là et puis gagner l'autre cap convaincre un autre moun pour républicain mais tous deux moun ça yo a fait avec yon respect pas gagner aucun conflit entre yo
pas gagne aucune tension qu'après ni entre eux. Donc ça a vraiment attiré l'attention que en Haïti nous vraiment besoin respect et tolérance. C'est vrai que moins capable pas pour parti démocratique là, moins capable pour républicain, mais moins respecté et moins gagne tolérance envers lui. L'autre bagage qui attire l'attention c'est dans moment ça là même, c'est après centre de vote fin fermé. Généralement en Haïti après élection, tout le monde rentre la caillou ou peur pas gagne monde qui circuler dans la rue. Mais là nous venons là dans le restaurant, toute activité dans la rue est normale, dans le restaurant là on a mangé, on a bail blague, tout le monde en paix attend résultat. Donc c'est vraiment des pratiques nous besoin en Haïti. Tolérance, respect pour nous capables de garder. Même Jean peuple ici de garder le pays d'abord. Bon, moi, je suis Carl Michel, je suis président de l'Association des volontaires pour la démocratie. Probablement, je vais faire un peu différent de tout de table là. Parce que là, nous avons commencé l'interview, nous n'avons pas vraiment présenté l'association que moi, je vais permettre que moi faire. Donc, l'association des volontaires pour la démocratie, c'est une association qui travaille avec jeunes dans la société civile haïtienne. Et c'est une association qui existe, qui est fondée en janvier 2005. Donc, nous sommes fêtés en janvier dernier, nous sommes fêtés 15 ans d'anniversaire, 15 ans d'existence. Donc, dans l'activité que nous menons, nous avons deux programmes que nous faisons généralement chaque année. Nous faisons Parlement Jeunesse d'Haïti et nous faisons Gouvernement Jeunesse d'Haïti. Donc, c'est deux programmes qui permettent, qui offrent aux jeunes de tribune pour yo militer, alors pour yo exprimer leadership yo. Donc nous a fait ça depuis 2008, nous fait première édition gouvernement et parlement jeunesse non. Et ça généralement nous fait en partenariat avec l'État pays. Hein. Donc parlement jeunesse nous fait avec parlement haïtien. Et puis gouvernement jeunesse nous fait généralement avec ministère de la jeunesse ou bien la primature. Donc c'est deux espaces qui permettent jeunes yo connait pouvoir politique yo. Qu'on ait pouvoir exécutif là à travers Parlement Jeunesse, qui regardait comment un ministre dirigeait, qui regardait comment le président lui-même les dirigeait, et qui permet tout, qui connaît structure l'État. Et Parlement Jeunesse, j'ai nous faire avec Parlement, qui permet que Jeunio connaît métier parlementaire. Être un parlementaire, ça veut dire. Comment parlementaire exercer et pouvoir comme parlementaire. Donc, le programme ça permet Jeunio de gagner ça comme acquis. Probablement, jeune jodi dirigeant demain, le CEO même qui gagne pour prendre Ren pays en place, non mais, donc yo gagne un training déjà qui va permettre que yo mieux fait que aîné. Donc c'est toute importance programme ça. Et puis nous-mêmes nous t'es jugé bon parce que nous travaillons dans le domaine de la démocratie. Le fait que Haïti toujours gagne de situations de bouleverse à chaque période électorale. Et puis nous, on travaille sur des documents qui nous avons proposés à la nation. Et ça t'a intéressé nous à regarder dans d'autres pays comment généralement on fait l'élection. Et c'est la première mission nous dans la série ça nous vient pour nous faire. Donc nous sommes venus regarder avec support Fonds Unis et partenariat Fonds Unis, venir regarder comment l'élection américaine nous a déroulé. Donc, pas quoi besoin de dire, même ça, mon yo dit là. Donc, c'est ça nous constater, c'est niveau de civilité ça que nous constater, c'est niveau de maturité politique ça nous constater, non, gens, élections à dérouler là. Donc, tout ça, collègues, mon yo sont expliqués là, nous gagnons pour nous acter nos documents de proposition à pays. Voilà. Avant nous avancer, dame dit moun k'ap suivi yo, gen yon moun ki sot di la ke li menm sot vote nan lise Pétionville la. Et fòm di nou ke nou nan restaurant haïtien la ke le Port-au-Prince. Donc ça veut dire c'est un coup la kay nou ye. Et si nous capable garder sous table là, nous wè du riz, nous wè sauce pois, du riz blanc sauce pois, nous wè banane pesée, chic taille. Aransor, nous est piclis. Donc ça veut dire que nous gâtons, même si la caille c'est la caille, mais nous comptons tout bagaille. Donc n'a pas avancé, nous toujours à recevoir délégation ça qui c'est association des volontaires pour la démocratie et institution qui invite à ces fonds unis de la diaspora. N'a continuer avec tour de table. Alors bonsoir tout le monde. Moi-même, c'est Bertoni Jean. Moi, c'est responsable financement pour l'Association des volontaires pour la démocratie.
Alors, bien que tout collègue moi a entend dit déjà qui ça y ouais de particulier dans élection ici en Haïti aux États-Unis, moi-même m'a insisté sur un seul parti que moi estimé qui c'est comme nous connaissons y a trois caractéristiques qui définissent souveraineté en nation, c'est capacité li gen, un pour les sécuriser frontières, pour les sécuriser territoire et puis ensuite pour faire élection la caille. Alors moi-même m'a prêté sous parti ça, c'est sous question souveraineté, expression souveraineté à côté élection au senti son bagage qui national. Donc d'abord bien que son état fédéral, c'est-à-dire chaque état ou chaque parti a une capacité pour faire élection, mais au senti que c'est un bagage qui fait que chaque état a une capacité pour prendre en charge élection et pour lui bas un résultat que tout le monde d'accord par une contestation là-dedans. Et puis deuxième aspect sur question souveraineté, c'est que c'est bien que quand il y a des monde qui viennent observer, capable bien monde qui veulent connaître comment élection a passé tant que gens nous venir là pour nous faire, mais à aucun moment donné ou pas gain impression et ou pas ka dit tout tout moun sa ou gain qui vinn là ou gain influence quelque part sur élection, l'irrité yon affaire nationale. Donc moi même ça moi apprécier ça parce que c'est ça qui pour faut sentir que un ou grand moun tête tout ou son nation, parce que ou a fait yon nan plus gros exercice démocratique yo et c'est ou même qui fait. Donc ça c'est lui même qui vraiment retenir attention. Je salue tout le monde qui a suivi la Voix de l'Amérique dans grand jour ça qui c'est jour élection et dans pays États-Unis. Je salue à tout collègue Avedio qui sous table là et je salue représentant Fonds Union de la diaspora haïtienne qui c'est un partenaire nous. Moi c'est Kessler Moïse et sa coopération externe pour l'Association des volontaires pour la démocratie. Ça qui retient attention moi dans élection américaine année ça qui sont pour moi qui sont élection spéciale, c'est gens que yo même yo fait élection malgré gen COVID-19 qui a ravagé pays a et que ça prouve nous que yo toujours prêt yo même élection tellement important pour yo parce que faut que yo renouvelle personnel politique dans pays yo et que même n'importe ça que t'as passé à pour moi même yo t'as arrivé faire élection dans l'heure li doit fait ça et qui différent de pays nous on regarder actuellement nous gon problème de comme ta dire nous pas jamais les pour t'a fait élection dans pays nous toujours gon problème et que tout monde chaque bois pa yo si yo gen doit gen position pa yo et que yo raté date pour t'a fait élection dans pays pa nous. Ça pouvait nous que États-Unis journée jodi a li pouvait nous que li c'est plus grande démocratie qui gagne hein, et que lui même la continue faire les gens il doit faire là peut-être personnel politique il doit renouveler gens il doit renouveler dans l'heure il doit renouveler et ça qui attire attention encore c'est les noirs prend consultation pour nous connaître ça qui a passé ici vraiment ils montrer nous que moun qui a posé candidature c'est deux monde que société civile là eux-mêmes yo choisi, yo investi dans eux-mêmes, yo vinn faire, yo vinn poser candidature yo dans que c'est député, que sénateur etc. etc. Dans pays pas nous-mêmes, les n'a regardé si n'a fait comparaison, c'est deux monde qui gain de là, qui l'argent déjà et puis qui vini c'est eux-mêmes qui vini avec l'argent yo gain capital politique yo économique etc. c'est eux-mêmes qui vinn poser candidature yo. Et qui ça qui attire attention encore c'est mouvement volontaire là. Chaque État fait élection yo, et chaque parti politique gagne deux monde qui là, ce sont des volontaires qui là qui viennent organiser élection. Et m'pa quoi bien toi pour m'ajouter, m'pense collègue me dit tout, Jean-Calin Michel qui c'est président association dit nous gagnons un document nous-mêmes nous gagnons pour nous écrire pour nous résumer de tout ça que nous ouais ici jeudi à dans l'observation que nous faisons nous-mêmes dans l'Association des volontaires pour la démocratie et nous pensons que tout ça que nous voyons va servir nous par rapport à l'élection pays nous connaissons qui doit arriver et bientôt. Bon, bien que nous voyons très bientôt, ça veut dire beaucoup pour, dans la politique parce que nous avons assemblé que l'OEA, l'autre organisation, demandé pour l'élection faite en janvier. Bon, et nous avons et nous allons rejoindre encore Jean Junior Morissette qui va le dire nous et délégation Sali Boy ici dans Washington qui leur vini et qui leur va aller.
Bon, délégation, il a depuis les États-Unis depuis dimanche. Et il est arrivé à Florida. Et de Florida étant, il est entré ici le lundi. Que Washington pour capable de commencer. Parce que depuis lundi, on a commencé à faire ouais à travers plusieurs bureaux de vote, comment nous nous comportons, comment nous nous organisons, comment nous nous structurons pour permettre que l'élection soit capable de faire et passer très bien. Donc, la délégation ça la repartie jeudi pour aller à Florida et puis le vendredi, on a supposé retourner et Haïti pour aller commencer le travail, préparer un rapport et puis pour comment vous capable commencer à élaborer un plan d'action pour permettre que l'autre jeune, l'autre organisation vienne prendre connaissance dans mes pour voir comment Haïti est capable d'apprendre de ça qui est fait là aux États-Unis. Est-ce que vous avez un projet pour le moment qui s'agit comme activité? Bon, Fonds Unis en tant qu'organisation sociopolitique, ils ont un paquet d'activités, ils ont pile projet. Et il y a un travail qui a fait pour notre cabinet capable de faire un gros travail de rassemblement, ça n'est capable de faire une sorte de rencontre et des organisations et des membres de la diaspora haïtienne pour capable de sortir en force ouais, pour que la diaspora lui-même capable de présenter ça nous besoin parler chaque jour qui sont une alternative par rapport à ce qui est passé en Haïti. Ya. Et comme nous avons déjà connu, Fonds Unis, dans toute histoire, il y a un paquet de travail qui est déjà fait. Et nous faisons pile promotion pour question et promotion et écrit pour question et double nationalité que nous connaissons et participation active de la diaspora dans la vie politique haïtienne. Et Fonds Unis et fait des propositions amendements de loi. Côté que de Chita avec des députés Jerry Tadieu et d'autres grandes personnalités sous question. Et nous faisons un pile d'activités qui permettent que jeunes aujourd'hui pour sentir que bon cloche qui sonnait dans le secteur diaspora côté que un pile monde commencer après la nécessité c'est le temps pour capable commencer mettre ensemble pour que diaspora organiser réellement et pour nous gagner on voit pour faciliter que et nous participer activement en tant que peuple et en tant que 11e département. Monsieur Maurice, c'est toi d'accord même que travail Jerry ancien député Jerry Tardieu a été fait. J'ai l'impression l'anti-war qu'on a. Nous connaissons que une commission qu'on a qui peut travailler sur la Constitution. Est-ce que nous-mêmes, nous n'avons pas gagné un document que nous voyons? Est-ce que nous-mêmes, nous avons un mot à dire? Parce que nous avons fait la Constitution et l'autre fois encore, oublié la diaspora. Bon, en fait, nous croyons que nous avons très simple. C'est que, qui voulait qu'il nous parle, c'est que le président de la République, là, il fait un appel et il mentionne la diaspora qui est supposée faire partie de ça. Et nous-mêmes, tout, nous croyons que demain mercredi, nous avons rencontré tout ça pour nous capables de proposer un autre document, ou du moins pour nous faire sortir, voir nous une fois de plus par rapport à ce qu'a fait là, pour que diaspora qui a fait partie intègre de tout ce qu'a fait en Haïti, comme nous sommes toujours apprenés. Mesdames, Messieurs, c'est là que nous avons mis fin à l'entretien que nous avons gagné aujourd'hui. Et premièrement, avec Jean-Junior Morissette qui s'est. Il y a un leader Fonds Unis de la diaspora. Et puis nous avons rencontré tout avec cette grande délégation qui sortit dans le pays d'Haïti, qui est l'association des volontaires pour la démocratie qui ont même été venus suivre le processus électoral là, ou bien la journée électorale là, avec tout ça qui gagne la donne avant et après. Donc c'est un plaisir, moi-même avec Jean-Aubert Philippe, pour nous rencontrer avec la délégation ça. Et c'est sûr que nous avons pour nous parler avec encore avant de retourner. N'a bien pour accueillir dans rendez-vous info. Moi c'est Jacques Belizère avec collaborateur Jean-Robert Philippe qui était avec nous depuis restaurant Port-au-Prince qui est dans Silver Spring dans l'État Maryland. En attendant que nous pral quitter nous mais nous connaissons que résultat a commencé à tomber déjà donc c'est la fièvre électorale ici aux États-Unis notamment pour les présidentielles qui mettaient face pour face président républicain Donald Trump avec ancien vice-président américain qui est pour le Parti démocrate là en parlant de Joe Biden. Merci et nous souhaitons bonne soirée électorale.